Coucou à tous, donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je réponds au tag que m'a fait Céline Scrap, donc qui m'a tagué concernant le tag qui est en cours en ce moment sur Internet sur le qui suis-je. Donc voilà, et ben vous allez un peu découvrir qui je suis, qui se cache derrière tout ça. Donc première question, quelle est ma couleur préférée? Donc j'en ai plusieurs, une précisément, je dirais par rapport à ce que je porte, moi je dirais vestimentairement, ça serait du noir. Après, si on reste dans le domaine artistique, au niveau du scrap, j'utilise énormément de mauve ou de rose. Après, tout dépend de mon humeur, mais c'est vrai que j'utilise réellement beaucoup ces couleurs-là, dans mes projets. Ensuite, mon film préféré. Alors, mon film préféré, c'est Pretty Woman. C'est bien un des seuls films que je peux regarder plusieurs fois dans l'année. Parce qu'en fait, je suis du genre où je regarde un film, mais je vais aller le revisionner. Ça peut, dans la même année, en général, j'aime pas trop, quoi. Ça fait du repeat, c'est pas du tout ce que j'apprécie. Donc, mais alors, celui-ci, je pourrais le regarder une fois tous les 2 mois, que ça me dérangerait pas, en fait. En même temps, qui n'a jamais rêvé d'être Pretty Woman? Bah, du moins pour faire les magasins comme une dingue. Ensuite, prochaine question, quel est mon parfum préféré? Alors, j'en ai pas précisément, disons que je mets plein de parfums différents. Parce que ma belle-mère était représentatrice des produits Avon, donc je dois avoir un exemplaire de chaque en fait. Mais sinon, dans on va dire les parfums les plus connus, ceux que je préfère, c'est du Thierry Mugler en fait. J'aime beaucoup Alien ou Humanity. C'est vraiment deux parfums que j'affectionne beaucoup, en sachant que Alien, j'ai toujours eu le même souci, et on m'en a toujours offert, et à chaque fois que je suis tombée enceinte de mes enfants, c'est un parfum que je ne supporte plus, il me rend malade, mais alors c'est un truc de fou, j'avais vu ça, je me suis vue quasiment jeter les 3/4 d'une bouteille, parce que en plus c'est des parfums qui sentent très fort, donc je pouvais plus, je supportais plus. Même caché au fond de mon armoire, j'ai trouvé le moyen de le sentir, donc... Donc voilà, ensuite mon plat préféré. Alors, comme vous aurez pu le voir, moi et la nourriture, on s'aime très fort. sinon, au niveau des plats préférés, j'aurais pas trop quoi vous dire. Ouais, c'est pas évident. Hein. Je vais faire un peu, comme dit Audrey dans sa présentation de taille, je vais faire un peu ma nounouille pour un plat. C'est tout un florilège. Je sais pas qu'est-ce que j'aime comme plat préféré. C'est pas évident, on va dire le bœuf bourguignon. Allez hop, le bœuf bourguignon, surtout celui de ma maman, il est super bon. Donc voilà, mon sport. Bon, alors moi, si je faisais du sport, je serais la première informée. Hein. Bon, si j'ai essayé quand même cet été, j'ai testé la Zumba, j'ai trouvé ça super. En fait, on s'éclate plus qu'on. Ouais, j'ai pas l'impression de faire du sport. Bon, pourtant, je veux dire, on transpire, hein. C'est un truc de fou. Mais voilà, c'est ça, on va dire que ça pourrait être un des sports que je préfère, puisque j'ai pas l'impression d'en faire en fait. Ensuite, une ville ou un pays préféré. Alors, ville, sincèrement, j'en ai pas. Je voyage très peu. Donc, voilà. Pays, après, c'est vrai que le pays que moi et mon mari, on aimerait bien aller, on a dit que si un jour on avait vraiment l'occasion de pouvoir faire un voyage, on irait au Canada. En fait, Canada ou Québec, voilà. C'est une des destinations. Qu'on aimerait bien faire. Pourtant, ouais, je sais pas. En hiver, en plus, on doit être fou, mais je sais pas. Voilà. La pâtisserie. Alors, moi, en ayant travaillé 5 ans dans une boulangerie-pâtisserie, Dieu seul sait que j'en ai vendu. Je suis pas vraiment trop dessert, en fait. Mais si je dois choisir une pâtisserie vraiment préférée, c'est la tarte au citron meringuée. Voilà. Voilà. Mon mari m'en a encore ramené une la semaine dernière. Je peux vous garantir que c'est comme ça, je partage pas. C'est tout pour moi. Voilà. Ensuite, un animal préféré. J'en ai pas vraiment précisément. J'adore tous les animaux. Bon, j'aurais tendance à dire les chats, parce que j'en ai 4 à la maison. Donc, oui, on va partir sur les chats. Mais sinon, préféré, non, j'en ai pas. Mon année préférée. Alors là, c'est bien compliqué. Année préférée. Il m'arrive. Une catastrophe à chacune des années que je passe depuis 33 ans, donc je sais pas si j'en ai vraiment une préférée, mais pour ceux qui me connaissent et que ça risque de surprendre, je dirais que ça serait quand même l'année 2007.
Voilà, même si ça a été la plus douloureuse, elle a quand même été, voilà, voilà, ça reste une des plus belles de ma vie quand même. Voilà. Ensuite, un chiffre. Alors là, un chiffre, ouais, d'accord. Je ne sais pas. Je vais dire le 2. Bon, oui, le 2. Bon, chiffre préféré. Mon mari serait là, vous direz le 7. Moi, je vais dire le 2. Voilà, j'aime pas trop les chiffres impairs, donc je vais dire le 2. Après, pourquoi? Je peux pas vous dire. J'ai demain. Non, je sais pas. Enfin, bref. Mon activité préférée, bah, je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, le Scrabble, bien entendu. Le Scrabble, la carterie. En fait, tout ce qui est travail manuel. La couture, j'aime beaucoup aussi. J'ai une très bonne machine à coudre. Bon, on n'est pas trop copines encore pour l'instant. On pratique. Voilà, on se teste. Mais ouais. Non, j'aimerais vraiment bien beaucoup travailler le papier. Dans toutes ces formes, en fait. Là, je suis bah, suite à plusieurs vidéos que j'ai vues de Scrapbookrice, je me suis lancée dans la création de pages, chose que je n'avais quand même encore jamais faite. Donc là, je suis en train d'en faire une sur ma fille. Et, je pense que ce sera peut-être le sujet, pas de la prochaine vidéo, mais de celle d'après. Voilà, je prends plaisir à la faire quand même. J'avoue, Scrapbookrice, t'avais raison. Je sens que la fièvre va vite monter et je vais pas réussir à m'en passer en fait. Ensuite, mon livre préféré. Alors, je vais faire le petit 50 nuances degrés. Je sais pas, c'est un des livres. Ouais, je dois pas être la seule à l'avoir lu. Hein. Personnellement, oh là, ça fait déjà plus d'un an que je les ai lus. Hein. Les 3 tomes, je les ai dévorés, bien entendu. Hein. Et j'ai hâte que le film sorte en février d'ailleurs. Non, non, très bon livre. Sinon, j'aime aussi beaucoup La Ligne verte, que j'ai vraiment préféré en livre qu'en film. Que je le trouve beaucoup plus touchant et poignant en livre. Il y a plus de, ouais, il y a plus de détails. En général, je préfère lire les livres que regarder les films. On est toujours plus déçu par les films. Forcément, il y a moins de détails sans images, c'est pas pareil. Puis on se fait toujours une idée des gens, voilà. Donc là, je pense que 50 nuances degrés, je ne sais pas pourquoi, rien qu'au vu des acteurs, on risque d'être déçu. Mais bon, on verra bien. Ensuite, une fleur préférée. Alors, ma fleur préférée, c'est la gerbera. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont comme des grosses pâquerettes, mais qu'on peut avoir dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, en fait. Pour celles qui me suivent, c'est celles que j'ai utilisées pour la déco du baptême de mes enfants. Ça coûte un bras, quand même, des fleurs comme ça, quand c'est pas de saison. Mais je trouve en fait que ça fait tout de suite un super bouquet quoi. Ensuite, mon métier préféré. Eh ben, j'aurais voilà, si j'avais pu suivre la voie que je voulais, j'aurais toujours voulu être coiffeuse, même si ça se voit pas trop aujourd'hui. non, vraiment, c'est un métier que je pense que je regretterais toujours de ne pas avoir fait, en fait. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je suis vraiment admirative de ce métier-là. Je pourrais passer, même encore au jour d'aujourd'hui, des heures dans un salon à les regarder faire. J'adore en fait. Je pense que c'est pour ça que ma coiffeuse est devenue une de mes bonnes amies d'ailleurs. Ensuite, ma boisson préférée. Alors, alcoolisée ou pas? C'est pas précisé, hein. Donc, bon, bah, je vais donner les deux. Alors, pour une petite boisson sucrée, le Coca-Cola. Non, je suis très adepte du Coca-Cola. J'adore ça. Mon fils aussi. Comme par hasard. Ensuite, bon, bah si, allez, je vais vous donner quand même un demi-vice. J'adore le mojito. Voilà. En plus, c'est la boisson officielle de là où j'habite. Donc, bah, disons que c'est nous qui avons instauré ça comme une boisson officielle. Mais bon, voilà. Ensuite, ma lettre préférée. Ben, ma lettre préférée, ça serait le A. Comme amour, comme amitié, comme alliance, voilà, comme avec le A, comme Angel, le nom de mon fils. Enfin bref, le A. Voilà. Ensuite, un instrument de musique. Alors moi, j'adore la guitare électrique. Je suis admirative de ces gens qui font ça, quoi. J'ai un ami qui fait de la basse et de la guitare. Franchement, je suis en extase devant, quoi. J'ai déjà essayé d'en faire et sincèrement, il faut avoir des super doigts bien souples, tout. Voilà, moi, ça, c'est pas possible pour moi, mais bon. Ensuite, une devise ou une citation. Alors là, comment vous dire, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est qui me viendrait comme ça pour une devise ou une citation? Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Je ne sais pas. Moins qu'hier et plus demain, plus que demain, je ne sais pas, je ne sais pas comment vous dire. Ouais, c'est un truc comme ça.
sais pas trop. Bon, j'ai pas de citation, j'en dis beaucoup, mais après de là en avoir une, je ne saurais dire. Eh ben, je suis arrivée à la fin. Oh, bah, dis donc, ça a été vite. Oh, bah, je suis fière de moi. Donc, bah, écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce tag-là, sur le qui suis-je. Si vous avez des questions supplémentaires, bah, n'hésitez pas, hein, à me les demander en com, je vous répondrai directement. Ou alors, je referai une petite vidéo si vraiment il y en a trop. Bah voilà, sinon bah, je suis ravie d'être de retour parmi vous et bah, j'espère que mon ordinateur ne va encore pas me lâcher. Ça serait super sympa. Donc bah, là, je vous envoie cette petite vidéo. Je la monte pas, je la mets directement sur Internet. Voilà. Qui suis-je? On est comme on est. Voilà. Allez, plein de scrap bisous et à très 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 vite. Bisous!